Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec Damned. Salut Damned. Salut les gens. Et une fois n'est pas coutume, on se retrouve plutôt bien, hein. Je pense qu'on peut dire ça. Oui, carrément. Et pour l'occasion, on va mettre un petit coup de développement à Bruxelles. Alors, on était en train de gérer... ici, on prend de l'attrition, c'est débile. Excusez-moi, je m'interromps. On va aller là. On était en train de gérer une petite rébellion dans les colonies. N'est-ce pas? C'est où ça? Il est où le nœud, là? T'as fait. Il est là. Viens là, toi. Hop, hop. Alors, on va peut-être plutôt se mettre là, d'ailleurs. T'es arrivé, toi? Reviens. Ben, on t'enverra là quand tu seras de retour. Il y a 42 qui se barrent par là. Hein. Alors qu'on pourrait l'envoyer là. On va l'envoyer là, un petit marchand. Là. Hop, transfert. Il n'est pas revenu encore. Ce serait même encore plus intéressant. Alors il y a peut-être des pays outragés là à aller draguer un peu, non? Ici, est-ce qu'on est rendu? Oui, c'est parti. On a quand même perdu un petit peu de troupes hein, pendant cette guerre, mine de rien. Allez, demi-tour. Charte pour l'Indonésie. Hop, voilà, charte pour le Pacifique, c'est bon. Ça, c'est une colonie. C'est pas, on est pas mal. Voilà, les particularistes, ils sont calmés. On réembarque, on retourne au Bahamani. Ah, le Vijayanagara a mis fin à sa guerre, mais il lui a rien pris. Ah. Ah, mais parce qu'il est en guerre contre le Portugal. C'était le Portugal, sa vraie cible. Et pourquoi faire pour prendre cette petite merde, là? Bah, ouais. Peut-être qu'il sentait la présence du Portugal chez lui comme une menace. Je ne le contredirai pas sur ce point. Allez, on est reparti. Tu vas te poser là-bas. Ça fait un moment que j'ai pas eu de message comme quoi la révolution foutait la merde. Ça se répand tranquille, à son rythme. Pourquoi on peut pas... Ah oui, parce que ça on le convertit, donc on peut pas le légitimer tant qu'on le convertit, forcément. Oh là là, on a tellement de sous. 35 000 quoi. Je me demande si je vais pas commencer à poser quelques forts, sorte de filer des coups de main en cas de besoin. Voilà par exemple. Ouais, c'est plein ici. On peut rien fabriquer. Oui, si c'est naze. Si ce serait pas mal un petit fort. Ici aussi, à terme. Un petit au milieu là pour bloquer le trajet. J'en voudrais bien un Lossian aussi depuis un moment, c'est l'occasion. Celui-là il était tout neuf ce fort, on va le virer, on va en foutre un autre plus bas. Quoi qu'on n'a pas vraiment de place en fait, si pour mettre un là. Niveau professionnalisme, ça monte doucement. Doucement, doucement.
C'est marrant parce qu'on est censé être en trêve, mais on a quand même des casus belli pour écraser les révolutionnaires, quoi. Genre là, tiens, Brême, ça serait pas mal ça, Brême. C'est juste à côté de nous. Prendre la capitale, écraser la révolution. Autant dire facile, quoi. Ouais, bah après, il y a quand même beaucoup de monde qui vient. Hein. Ah oui, pour les soutenir. Bah en fait, il a des alliés déjà, hein, voilà, de base. Ensuite, il est dans une ligue commerciale. Ah oui. Et en plus, il est dans l'Empire, donc le Brandebourg vient en co-belligérant. Avec ouais, Mayence, Münster et Poméranie. Brandebourg, je crois qu'il vient de prendre cher. Ouais, il a encore 33 000 hommes, mais bon, il a plus de réserve, quoi. Bah, si j'en crois l'estimation, il y a 69 000 infanteries, 27 000 hommes, contre nos 408 000 hommes. Ah oui. Mais bon. Est-ce que ça vaut le coup, je ne sais pas. Hein. Alors, ça fait un moment que je voulais le prendre de toute façon, mais j'imagine qu'avec... on peut faire quoi ? L'objectif de la guerre est de prendre la capitale de Brême révolutionnaire, 5 ans d'expansion agressive, 150 de prestige et 50 de coups pour conquête de Brême, révoquer la légitimité, libérer les vassaux, libérer le pays, vassalage forcé, défaite, écraser la révolution, annulation des traités. On peut tenter, hein ? Tu veux ? Ça te dit ? Franchement, oui. Ils sont où Brême par contre, je vois pas, mais bon bah. Ils sont juste à côté de Freeze. C'est pour ça que ça fait un moment en fait que j'ai dans l'idée de leur tomber dessus. Parce que la Freeze est séparée en deux là, et les territoires qui sont au milieu, je ne peux pas les prendre. Un autre général est mort ici. Bon, on va faire un autre général. Allez, viens, entraîne-toi. Ici. On s'entraîne aussi, on verra quand ça commencera à péter. Oui, alors niveau naval, j'ai pas été voir, mais je pense que ça devrait aller. Oh, il y a du monde. Il me saute dessus, sérieux? Non, il me saute pas dessus, on est d'accord. Ouh, il y a du monde! Il va falloir que j'amène mes 40 000 hommes supplémentaires. Alors j'arrive. On va déjà les taper un peu. Ah, il y en a un qui me saute dessus, avec 11 000 hommes? Ah non, il est là, ok, il est à côté. On y va. Boum. Juste à côté, il y a un paquet de monde qui s'accumule, mine de rien. J'ai même pas perdu une troupe, quoi, dans cette bataille. Ah, c'est la tristesse. Ah, j'en ai pas perdu des tonnes non plus. Ah la vache. On y va comme ça, on y va, allons-y. C'est parti. Ouh, le mouvement, ça va être la méga bataille de Groningue là. Ah, je crois qu'ils ont plus de réserve là. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Encore 36 000 derrière, mais c'est pas la peine. Hop, je vais me poser sur Brême. Moi j'en chope 1000 en me repliant. Ouh, ah, attends, 64, moins 64% malgré le. Ah oui, il y a beaucoup de taches rouges hein, quand même. Bah ouais, hein, je te dis, faut pas. Quand t'attaques l'Empire, mine de rien, c'est pas si trivial quoi. Non, c'est clair. Vous pouvez rentrer, on va foutre là. Bon, pour une fois, niveau militaire, enfin niveau bateau, ça va par contre, y a que dalle quoi. Ça c'est la bonne nouvelle. Ici il y a un navire lourd, je sais pas ce qu'il fout là. Détache-toi gars, et va à Londres. Ici, il faudrait qu'on améliore ces bateaux, on va tout envoyer à Londres. Moins 78% le siège, bah putain. Bon, tu me diras, ils sont à moins 85% chez eux sur leur propre siège, mais bon, quand même, ça pique un peu. Ici, on a capturé un navire de commerce qui a pas besoin d'être amélioré, donc tu vas protéger le commerce de la Côte d'Ivoire. C'est parti. J'ai pas fait ça avec la dernière guerre, j'aurais dû.
Hop, on améliore les navires ici. On améliore les navires et toi quand t'auras fini, t'iras protéger le commerce. Je vérifie parce qu'il y a un gros stack qui est en train de se regrouper. Pour le moment ça va mais. Moi je vais claquer un tir de barrage par contre, histoire que ça avance un peu. Parce que. C'est pas qu'on a plein de points mais voilà quoi. Ouais, mine de rien, ils ont encore du répondant, hein. Troupes, pour ça je reste en surveillance, là, en masse, un peu. Ouais, ils bougent beaucoup, je trouve. Oui, ils bougent énormément, en fait. Ah, déclin de l'innovation. On peut prendre la tech militaire 27. Eh ben, écoute, allons-y. C'est cadeau. Ça y est, hop, pareil. Voilà, 27 partout, comme ça. Vache, bon, ils ont commencé à se séparer pour aller faire des sièges au sud, donc ça va être l'occasion de leur tomber dessus. Et là, la vache, le siège de Brême avec un blocus de fou et tout, on est quand même que à 28%. On a un général qui a 3 de siège. Ouais, bah ouais. 9 de niveau de fortification. Purée. Bien joué, belle bataille là. Bon là c'était facile hein, ils étaient comme ils se sont éloignés, bah voilà. Hein. Ouais. Effectivement. Bon là on a un général 3 étoiles mais il a 0 de siège donc il nous sert à rien dans le contexte. L'objectif est de prendre la capitale. Ah, même Gilidia commence à m'envoyer des flottes des Andes. Ah, on a 300 vaisseaux lourds quand même, c'est pas mal. Tu m'étonnes. On va se faire quelques galères pour les futurs combats en eau trouble. Ils savent pas du tout comment se positionner, ils arrêtent pas de bouger les troupes, ils commencent des sièges, ils s'en vont. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ils sont un peu en mode on court partout puis on espère que ça passe quoi. C'est exactement ça. Voilà, hop. Allez, on est à 0% là. Du coup, je vais resserrer les taux. Ah, la frise tente des trucs, mais je peux pas bouger, frise, pour venir t'aider, je suis désolé. Du coup, bah, tu vas te faire défoncer. C'était une bonne idée, hein, mais. De reculer, j'avance mes troupes par masse et ils font bon, on va pas aller par là, finalement on va aller par là, finalement on va reculer. Lol, pardon, excusez-moi monsieur. C'est un peu ça. Pour l'instant, ils sont motivés. Est-ce qu'ils me tombent dessus là, hein, s'ils foutent? Peut-être, ils sont nombreux, hein. Ils pourraient avoir envie de me tomber dessus. Hein. Allez, Brême. Les marchands locaux demandent du secours. Sans du cas, oui, je pense qu'on peut se permettre sans du cas. Du coup, j'arrête pas de choper des petites troupes de 4000, 3000, et comme ils fuient, bah je les chope, je les bute. Ah bah, faut pas se gêner, hein. Oh non.
Je les poursuis, je devrais pouvoir les choper de l'autre côté, les bloquer même. Ah, on peut avoir qu'une seule hégémonie à la fois, dis donc. Je savais pas. Ça me paraît pas déconnant. Fais gaffe, y'a du monde qui arrive sur tes 31 000 hommes en bataille là. Ouais, j'ai vu. Mais ça va, je devrais avoir un peu de renfort. Quoi qu'il y en a encore qui arrivent. Ouais, c'est tendu. Ouais, là encore ça va être 41 tendu. 000 hommes qui arrivent là. Ouais, ouais, non, c'est mort. Enfin, j'ai des renforts, mais ils vont pas arriver tout de suite, quoi. Faut que Brême tombe très là. Bien. Allez. Visiblement, ils me considèrent quand même pas comme une menace, hein. C'est assez marrant. Ils en ont strictement rien à branler que j'assiège leur. L'objectif de guerre, mais à un point rarement vu. Allez, 42%, ça peut tomber, non. Toujours pas. Ça fait du bien d'avoir une petite bataille, une petite guerre concentrée là. Ouais. Ça change. Bon, on dirait qu'il va falloir que j'investisse un petit peu plus de troupes dans le coin. Donc je pense que vous là, vous savez quoi? On va venir vous chercher. Parce que mine de rien, quand ça pète, ça pète. J'en suis où de mes réserves? Ouais, je peux pas encore me permettre une nouvelle armée. 64%, ça veut pas tomber. Je peux pas faire des canonnades sur les troupes qui sont à côté là. Histoire de. Bah malheureusement j'ai l'impression que non. Ce serait amusant. Tirer au canon pendant les batailles. Bon ils sont en petit stack mais on voit qu'il y a quand même des gros. Ah bah là si tu finis ta bataille on a moyen de les. On a moyen de tous les choper un peu hein. Ah, c'est clair, mais il bouge tout le temps, c'est un truc de fou. Quoi. Ah ouais, c'est une fourmilière quoi. C'est bah, c'est Nia, hein, donc elle a pas comme nous. Enfin, moi je serais incapable de faire des mouvements comme ça. Hein. Brême est tombé. Allez, on va tomber sur eux par exemple. Ah là, ils sont bien tous mis d'accord, ça y est. Ah merde. Oh là là, on les défonce tellement. Ah ouais, ça y est, ça s'équilibre un peu. Ah, mais oui, mais je vais mettre trop de temps à arriver. Ah, c'est pas grave. Prendront pas ce siège de sitôt, t'en fais pas. S'ils arrivent à le reprendre. Une éducation pour les pauvres. Oui, bien sûr. Allez-vous, vous embarquez. Et vous allez à là-bas. Oui, on a eu de l'entraînement complètement. La haie, c'est parti pour la haie. Se poser là, je pense, ouais, histoire de lire. Il m'a fallu des plombes pour le prendre ce siège. Bon après maintenant il n'y a plus que 1000 de garnison mais quand même. Freeze tu fais quoi là? Tu vas comme ça à 0,5000 hommes. Ouais, ça me paraît une idée de merde, moi je dis, hein, vu comme ça là. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent aider là? Non, ils s'en foutent. Je laisse crever. J'arrive avec 36 000 hommes du coup. Et ma flotte, elle arrive. On a bientôt quelques autres troupes qui vont se pointer. Allez, on va faire tomber ces gens.
Hop là, je vais choper des gens au Moonster normalement. La flotte, elle retourne là-bas. Voilà, on fait des petits stack-way, pas droite à gauche. Ça fait le taf. Ouais, ce que je suis en train de commencer à faire aussi. Qui c'est qui veut une paix? Mayence veut une paix. Ah, il nous verse direct 715. Et bon, on va commencer à regarder un peu ce qu'on peut faire. Mayence. Qui tu es, Mayence? Mayence? J'ai accepté? Non, j'ai pas accepté. Bah, t'es en élevé, d'où tu veux une paix pareille? T'es où, Mayence? C'est quoi, Mayence? Merde. C'est ça? Non, c'est pas ça, c'est la Normandie, ça. Mayence? Mayence, c'est tout ça. D'accord, Mayence, c'est tout ça, parfait. Alors, Mayence. Oui, tu es ça, mais on ne peut rien prendre, même pas pour toi, parce qu'il y a trêve entre toi et lui. Oui, bon. Est-ce qu'on peut imposer la religion? 329%, non, du coup. Ça va être dur. Détourner le commerce, il veut pas. On prend le transfert. Est-ce qu'on peut le faire exploser un peu? Renoncer à la dépendance, accorder l'indépendance à des nations? Non, on peut pas. Bah, avec de la thune. Bon, il a pas beaucoup de sous, tant pis. Il peut pas prendre plus? Ah non, c'est qu'après il refuse. C'est parti. Mayence, c'est fait. On devra nous enlever quelques troupailles. Ouais, voilà, quasiment tout ce qu'a siégé Brême, c'était Mayence. Oh! Nikoubas arrive, tranquillement. Et il tombe sur les 36 000 hommes. On va aller chier un coup de main quand même. À 14 000. C'est un peu osé de ta part, Nikoubas, là. Je tiens à te le dire. Ah ouais, non, c'était un peu tendu, là. C'était gentil, hein, mais c'était un peu tendu. J'ai des pop-up sans arrêt, quoi. C'est l'enfer. Pour les... Bah, ouais, les victoires, les trucs, les... Ah. Rothenburg et Constance veulent sortir. Voyons voir. Rothenburg et Constance. Exactement, ils veulent sortir, mais à aucun moment ils sont en faible, quoi. Constance, t'es là. Ville libre. Imposer la religion, repas de guerre, file-moi ta puissance, non tu veux pas. Annuler le traité pour avoir un peu de prestige. Bref, non, on s'en fout, on prend de la thune. 20. Prenons 20, écoute. Et l'autre c'était Rothenburg. De diplomate. On va imposer l'anglicanisme par la force, hein. Ça leur fera les pieds. Ça c'est pas un truc révolutionnaire, hein. Rothenburg, non, t'es pas révolutionnaire. On va donc juste imposer la religion. Parce que pourquoi pas. Voilà. Qui c'est qui est en guerre? Tout ça. Goslar révolutionnaire, tu voudrais pas faire une paix? Écraser la révolution, on peut, non? On peut le vassaliser. Annuler un ou plusieurs traités. Ouais, bof. Non, je peux rien faire. C'est pas grave, on va faire du score de guerre. Alors c'est quoi le truc de paix
écraser la révolution. Cela met un terme à la révolution et Brême va redevenir une monarchie. D'accord, ça vaut 50%. Et ça donne 37 de prestige quand même. Hein. Ah ouais. Mais on peut le faire visiblement que sur le... le territoire qu'on a, enfin celui où on avait le casus belli quoi, genre là, l'autre truc révolutionnaire, Goslar révolutionnaire, on peut rien y faire. On pourrait le vassaliser mais ça m'intéresse pas trop, encore qu'un petit vassal d'une case dans le coin éventuellement si on veut le faire grossir, mais ça appartient à la Normandie cette zone. On peut prendre une doctrine, mais on va chercher la tech. Il reste plus aucun fort à prendre. Non. Si, à Lübeck, mais je suis dessus. Ah oui, bah attends, je vais envoyer un blocus peut-être, parce que t'as l'air de galérer. Ah, par contre, raison, d'ailleurs. Il y avait ça. Ah, la capitale de la Poméranie est là, donc on va aller la prendre aussi. Nos ports sont sous blocus. T'inquiète pas, Hambourg. Tu vas vite comprendre ta douleur. Y'a pas de soucis. 216 navires qui t'arrivent dessus, ça devrait te calmer, je pense. Coucou! Et boum! Ça m'a fait plaisir. Ah là, avec un petit blocus, ça va mieux. Stettin! T'es où toi? T'es une ville libre. Merde, je suis foutu. C'est quoi cette fenêtre? Lâchez-moi. Stettin, c'était toi. C'est ça. Demander la paix. On peut le prendre, on peut pas le prendre. Pourquoi on peut pas le prendre? S'il veut pas. Ah merde, je perds là, j'avais pas vu, d'accord. Ah, il y a une bataille. Ah putain, oui, juste à côté de moi. Merde, bouge. J'ai même pas vu. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais je vais lui tomber dessus, enfin, je vais pas laisser ah oui, bah ça, mon oui, allié comme ça se faire battre impunément. Ils vont tâter de ma tech 27. Bon, ils sont tech 27 aussi, mais. Bim, la vengeance. Ah, ils se replient pas tous, il y en a qui veulent rester. Non, ils se replient tous, c'est bon. Alors, vous voulez pas que je vous prenne, c'est ça? C'est traduirait par l'annexion ou la vassalisation de la Poméranie, mais oui, je te confirme, oui, tout à fait. Tout à fait. Le colloque d'Oxford. Je te confirme que je veux te bouffer, Poméranie, hein, y a pas de souci. Portugal n'est plus une grande puissance. Ah, on dirait qu'il y en a qui se replient juste là. On va les stack wipe. Boum, voilà. Puis on va les stack wipe vers le haut là. De leur faire plaisir. Voilà, Lübeck est tombé. Les bateaux sortent. Ils vont se faire défoncer. Voilà, de petits stack wipe comme on les aime. Oui, exactement. La bataille navale s'est faite, ils re-rentrent, ils ressortent. Bono, ah bah ils vont ressortir aussi vite, ouais. T'es une guerre contre faire. L'Espagne, bah vas-y, bien, tiens, pas de soucis. Ah bah si, il reste un fort là aussi, tiens, hop. Où ça? Il est pas facile à voir, dans le orange là, là où j'arrive avec mes 36 000 hommes. Ah oui, effectivement, bah écoute, dès que j'aurai géré cette bataille navale, j'enverrai un petit blocus aider. Tout à fait. Hop, en avant. C'est qui ces 27 000 hommes là? C'est Lübeck de l'autre côté aussi là? Ah ouais, c'est Lübeck. Bon, on va peut-être pouvoir unifier la Frise, hein, ça va faire plaisir. Ça, du coup, on le donne à la Frise orientale et ça. À la Frise orientale, voilà.
On n'avait pas une autre armée. Ah oui, elle est là. Je l'ai paumé. Ah, dès que les blocus ils arrivent, ça fait plaisir. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ah, on a une loi à mettre au Parlement. Bah, on va reprendre l'attrition. Ils veulent pas, ils sont pas très contents. Soutien de mine, soutien diplo, on perd en mercantilisme. Ouais, soutien de mine, ça me fait un peu chier. C'est des terres de l'État, certainement pas. On peut claquer un peu de légitimité, ça me choque pas. Ça, ok. Accorder un commandement terrestre, accorder un commandement naval. Euh, 20% d'autonomie à Sligo. Attends, relou. Non mais j'avais pas tué mes mecs quoi. Bon après tu me diras je m'en fous hein, mais allez. C'est bon, on va en reprendre un autre. De toute façon il devait être quasiment mort. Moral terrestre plus 10%, c'est parti. C'est pas comme si on n'avait pas la thune. On a 100% au Portugal. On va faire un casus belli là-dessus parce que pourquoi pas. Là-dessus. Là-dessus. Non, pas ça, on s'en fout. Et là-dessus. Voilà. Tu vas revenir. Ensuite. Qui c'est qui résiste encore? Le fort résiste encore? Ah puis ouais, il y a bien la Pologne dans la guerre, donc il y a bien ce fort aussi à prendre. Prenons-le alors. Claquons une canonnade, ça sera fait. Il avance notre missionnaire ou pas? J'avais pas vu qu'il y avait 14 000 troupes de Glogo qui sont en train de faire un... Putain, et c'est toujours Brandebourg quoi, c'est marrant hein. Pourtant... Ah, de quoi le changer hein. Ah bah il résiste, il résiste. Allez, la bureaucratie moderne, c'est parti. Prends. L'Autriche ne me considère plus comme un rival. Et bah écoute, Autriche... Fort bien. Tu fais bien ce que tu veux. C'est ça. Là on prend de l'attrition pour que dalle, donc on va se barrer. Mais 38 000 hommes en bas qui font un siège chez moi, j'avais pas vu. Est-ce que tu me donnerais pas les petits sièges que tu as pris là le long de la... Alors si si, pas de problème, attends. Je déclenche une petite bataille. Ah, t'as besoin d'un coup de main? Ah non, c'est bon. Ça va aller. Ah mais ils ont pris ça. Alors attends, ouais, je veux bien, je vais juste mettre pause, je peux tout te donner si tu veux. Si... Ouais, bah juste ouais. Ce qui longe les mers. Le reste, tout ce qui est à l'intérieur des terres, je te le laisse de toute façon. Enfin même réellement, je monterai vers le Danemark, mais pas plus. Le reste de l'Europe, je te le laisse. Oui, oui. C'est ce qui était convenu. Hop. 306 bateaux, putain. La vache, ça fait mal aux fesses. Celle-là, je peux pas, parce que, ouais, d'accord, il y a des, comment on appelle ça, des... Il y a des rebelles, ouais. Rebelles, donne-moi le petit fort que t'as pris. Je l'ai pas donné? Non. Non. Attends. Tu seras bien urbain. Voilà. Et je crois que c'est bon. Je vais commencer à replier mes troupes par chez moi. Et c'est bon. Pouf. Pouf. Bataille navale, c'est terminé. Alors, avant qu'il commence à reprendre des trucs, on va faire un peu des paix. Alors du coup, Hambourg, tu es qui toi, Hambourg? Demandons la paix, c'est toi. Pouf pouf, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Ça c'est à qui ça? C'est Hambourg aussi? Ah, ça appartient à la Normandie ça, zut. Prendre ça déjà, ça serait bien. Hop, Hambourg, tu files ta thune, 515, voilà, on a besoin d'argent de toute façon. Ça c'est fait. Ensuite, ça c'est qui? Oldenburg. Non, le Munster. Euh,
Bah pourquoi? Ah oui, je dois attendre un peu avant de refaire une offre de paix, c'est vrai. Hop. J'avais oublié, excusez-moi. On peut pas t'imposer la religion, c'est trop. Tu transfères des puissances commerciales, des repas de guerre et de la thune. Hop, voilà. Et enfin, Brême. On peut se faire chier à faire 2000 paix séparés, hein. Mandebourg, c'est l'empereur, je peux faire des trucs sympas sur lui, si je dis que c'est l'empereur ou pas. Révoquer la réforme impériale. C'est marrant ça. Y'a que c'est quoi la dernière réforme impériale? Ah, il en a passé 3 quand même, hein. Maintenant, les états moins 25% offrent un casse-bille contre les pays non membres mais limitrophes de l'empire pour les contraindre à l'intégrer. Ouais. Je suis pas sûr que ça vaille des masses le coup, si vous voulez. Non, c'est clair. Lübeck. Tu files ça? Ouais, tu files ça. Avec un peu de thunes. Un petit transfert de puissance, non tu veux pas. Un repas de guerre, tu veux pas non plus. Allez, hop. Et Brême, bah ce qu'on va faire Brême, c'est qu'on va te dépouiller. Hein. Ah, on peut construire le canal de Kiev. Perte de 10 000 ducats. Ah. Bon, on les a, hein. Mais qu'est-ce qu'il faut? Dietmar appartient à la Grande-Bretagne, technologie administrative au moins 26. On peut construire le canal là. Bah allons-y, c'est parti. En avant. Et d'ailleurs les autres, pourquoi on peut pas? Panama appartient pas. Nanana. Ah oui, on peut pas. Incarner l'identité islandaise. Ok. Le pays serait nommé Irlande. Non, ça, c'est, ça ira. Je pense qu'on se passera de cette réforme-là. Alors, on laisse passer quelques jours pour pouvoir faire une paix. On va demander une paix à Brême. Voilà, tu files ça. Tu veux pas? T'es sérieux? Ah, parce que j'ai un casus belli écraser la révolution. Ça me met moins 50 si je veux qu'on... si je veux prendre le territoire, quoi. Donc, qui veut pas? Bah, on va continuer un peu là, il y a des sièges qui vont tomber là, donc. Allons-y. Qu'est-ce qui reste? Pas grand chose, ça c'est pris, ça c'est pris. Ça c'est pris. Ouais, c'est les armées en bas qui font chier, c'est ça. Ah, on a perdu un conseiller. Prestige, je veux être sérieux, il n'y a qu'un seul plus 1. Agitation dans le pays, tiens, ça va nous aider ça. Remporter le siège de machin, ok, il n'y a plus qu'à aller là. Ça, on rentre. Eh, ça veut pas, c'est un truc de fou quoi. Ah, il est en train de se replier vers l'intérieur, on va essayer de les intercepter. Un beau 100% de score de guerre. Eh ouais, mais il veut pas, hein. Ah, ça y est, il accepterait, quand même. Plus la thune. Complètement vaincu, plus 100. Voilà. Il y a des gens qui nous aimeraient pas, mais bon. Est-ce important? Oui, bon, hein. Est-ce qu'on prend des trucs? Ah, on peut prendre tout ce qu'on veut, quoi. Oh là là, oh là là. Non, on va pas faire ça. Ce serait abusé. Je peux prendre quasiment tout le Brandebourg, la Poméranie, Stettin. C'est la teuf, quoi. Ça te donnerait même des trucs à toi, vu que t'as des sièges qui traînent. Non, on va pas faire ça. C'est une idée de merde. On va prendre ses sous et on va se contenter de Brême. Ce sera suffisant. Voilà, et on a une belle frise là. Alors, des rivaux. Killua nous a rivalisé. Bah, ben, rivalisons Killua, je vous dis. Killua. Un petit embargo, Killua. On va te mettre en banqueroute.
On peut avoir un Kesbelli conquête contre la frise. Bah non, on aime bien la frise. C'est des mecs bien. Allez, on va réparer les bateaux. Ouais. Vous là, allez vous poser par là. Et vous, vous repliez à la haie. Et on peut prendre un truc. Aspiration à liberté sur le continent. Avantage pour l'artillerie contre les forts quand je vois des sièges à moins 92. On va prendre ça. Ça y est, les gens se réénervent, soi-disant, tout ça. Il y aurait des coalitions et tout. Bon, on va laisser 80 000 hommes en stationnement permanent dans le coin. Vous, vous allez là-bas. Geldre a rejoint la coalition contre nous. C'est inquiétant. On a des bateaux améliorés, on améliore. Ah, on a perdu un conseiller encore, bah dis donc. Portée coloniale, non. Par contre, lui, ça fait chier que ce soit juste un plus 1, tu vas dégager en fait. Ah, mais modif de coup de la stabilité, c'est de la merde, sérieusement. Les révolutionnaires frisons. Non mais... La la la. Oui. La la la. Bah non, rien, voilà, je mets les troupes qui rentrent, c'est calme, je suis riche, la 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 quoi. Ouais, ça y est, la révolution s'est définitivement calmée chez toi. Bah disons que je peux pas la faire péter encore, elle est à 94%, mais... Ça, je pense que c'est le bas Manis. Mais bon. Non. Oh là là, les coalitions qui tombent. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir un conseiller potable? Voilà, agitation de pays moins 2, parfait. C'est parfait. Allez, eux on les défonce. Merci, au revoir. Les révolutionnaires frisons. Voilà, on repart. Donc ici ça se calme, j'ai ça que vous me dites. Non. Alors il reste un petit bateau ici, un petit bateau là, on va les prendre et les envoyer ici, voilà. Et il faut qu'on arrête l'épisode parce qu'il est largement assez long. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en pensez, dites-moi si vous pensez qu'on doit annexer ou pas la frise. Et puis bah on se dit quoi, à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.